Et bonjour les amis, c'est Brasier, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 10 mai 2023, donc avec les remises au moins un an. Donc je sais pas ce que c'est exactement. Donc c'est ici, donc c'est un pack avec Audace, tout est possible, saison 9, premier chapitre, avec son monoprofil, un profil réellement unique. Donc c'est son accessoire de dos. Tout ça pour donc c'est une tenue rare, un accessoire de dos rare aussi, pardon, pour 1200 V-Bucks. Un pack épique avec bête de deux scènes, à fond les ballons, fait partie de l'ensemble groupe amateur, disponible depuis la saison 5, premier chapitre, avec sa grosse caisse qui est son accessoire de dos, fonctionne sous batterie, donc voilà. Tout ça pour 1500 V-Bucks. Guépier sans peur, fait partie de l'ensemble assaut anti-siège, saison X, premier chapitre, pour 800 V-Bucks. Embûche sans interruption fait partie de l'ensemble assaut anti-siège saison X premier chapitre, donc pour 800 V-Bucks. C'est des tenues atypiques. Péril, donc sans hésitation, donc fait partie du même ensemble pour 800 V-Bucks également. Pardon, l'âge du dragon forgé grâce à la flamme d'un dragon, un outil de collecte rare saison 2 premier chapitre pour 800 V-Bucks. Voilà, donc là je ne connaissais pas ces skins. Ensuite, vous avez Brise Circuit, celui qui pirate plus vite que son nom, fait partie de l'ensemble Surcadençage, saison 1, chapitre 1 pour 1200 V-Bucks. C'est une tenue rare donc. Un petit planeur épique, vaisseau interstellaire, à des années-lumière de la compétition, fait partie de l'ensemble Exploration Galactique, saison 3, premier chapitre pour 1200 V-Bucks. Agent nocturne, né à l'aise que dans l'obscurité, fait partie de l'ensemble Nid d'espion, saison 3, premier chapitre pour 1200 V-Bucks, donc c'est une tenue rare également. Un petit outil de collecte rare, Spectre, personne ne le verra venir, fait partie de l'ensemble des espions, donc c'est son outil de collecte, saison 3, premier chapitre pour 800 V-Bucks également. Ciel étoilé, donc c'est un petit revêtement d'armes, saison 2, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Grrr, gris et fort, tout le monde est Grrr, fait partie de l'ensemble Homme à Kronon, saison 6, chapitre 2, donc c'est une tenue rare avec son sac vertébrale, l'épine dorsale de votre style, tout ça pour 1200 V-Bucks donc. Poissonnade, c'est son outil de collecte rare également pour 800 V-Bucks, saison 6, chapitre 2. Trafiquant nautique, donc c'est encore une tenue rare, ne négligez pas les profondeurs de ces réseaux, fait partie de l'ensemble grand large, saison 1, chapitre 2. Avec son perce vague, la chasse en eau troublée est ouverte, donc pour ça pour 1200 V-Bucks. Le porte-balles, c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks. L'hameçon lourd, un deuxième outil de collecte avec deux custom pour 800 V-Bucks également. Le petit tronc, compter des anneaux de croissance, saison 8, premier chapitre. Donc ça, c'est un autre outil de collecte. Donc c'est trois outils de collecte rares pour 800 V-Bucks. Un revêtement rare, tache au carré, saison X, premier chapitre. Il est animé pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez donc Célébration du champion, le reflet de votre triomphe. Fait partie de l'ensemble FNCS, saison 1, chapitre 4 pour 300 V-Bucks. Cette petite emote atypique. Un pack légendaire, le Détourneur Spectral, qui fait son grand retour, saison 1, chapitre 2, fait partie d'une ensemble vision obscure. Il est revenu d'entre les morts pour chasser sa dernière prime, tout ça avec ses deux customs. Avec ses deux customs, pardon, avec l'œil divinateur, il voit tout, donc c'est son accessoire de dos, tout ça pour 2000 V-Bucks, donc les packs légendaires. La fosse spectrale, c'est son outil de collecte pour 800 V-Bucks, c'est un outil de collecte rare. La vague spectrale, c'est son vêtement d'armes rare pour 500 V-Bucks. Une tenue atypique, patrouilleuse du parc, sur le parcours, rien ne lui échappe, fait partie de l'ensemble golfeur turbulent, disponible depuis la saison 3, chapitre 2 pour 800 V-Bucks. Célébration du champion, donc ça on l'avait déjà vu. Ensuite, vous avez le retour du pack Luncha, donc c'est un pack rare avec Dynamo et Führer masqué. Avec leur Martino, c'est leur petite collecte. Le Planéodor, c'est leur petit planeur, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Dynamo pour 1200 V-Bucks. Martino, c'est le petit outil de collecte pour 800 V-Bucks. Führer masqué pour 1200 V-Bucks. Le Planéodor pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Paline, fait partie de, donc c'est encore une tenue rare, fait partie de l'ensemble l'étoile de nuit, saison 1, chapitre 2. Avec ses quatre styles au choix, comme vous voyez actuellement à l'écran. Et ses ailes rugueuses forgées dans les flammes éternelles, avec trois customs. C'est son accessoire de dos, tout ça pour 1200 V-Bucks. Étoile frappante, c'est son outil de collette atypique pour 500 V-Bucks, avec ses trois customs également. Voilà. Ensuite, vous avez Gurf. Gurf ne bluffe jamais, fait partie de l'ensemble Force Mystique, saison 2, chapitre 2. Avec son sac de gloves, donc c'est comme une tenue rare avec un accessoire de dos rare. Arborez votre collection de cristaux, tout ça pour 1200 V-Bucks. Guff en peluche, c'est son autre accessoire de dos, saison 7, chapitre 2, il est réactif. Pour 400 V-Bucks, c'est encore un accessoire de dos rare.
Le spectre soyeux, c'est un deuxième outil de collecte pour 800 V-Bucks. Non, c'est son outil de collecte, pardon, pour 800 V-Bucks. C'est encore un outil de collecte rare. Tout ça. Voilà. Donc ensuite, vous avez Grimoire. Donc ça, c'est un pack épique. Donc Grimoire, elle vient d'un futur proche pour collecter des âmes. Fait partie de l'ensemble Abandon, saison 4, chapitre 2, avec ses 5 customs. Ses 5 customs, donc on voyait actuellement à l'écran. Oui, je savais plus ce que j'allais dire. Voilà, avec son holocrâne, c'est son accessoire de dos, il brille d'une lueur effroyable, tout ça pour 1500 V-Bucks. La faux d'abandon, c'est son outil de collecte rare pour 800 V-Bucks. Le pack Wendel et Noisette, donc des tenues rares, donc avec Wendel et chez Noisette qui sont accessoires de dos. La Plinogriffe, c'est son outil de collecte. Pour toi, Noisette, c'est sa petite emote. Tout ça pour 1500 V-Bucks, donc le prix du pack. Hors pack, vous avez Wendel chez Noisette et. Pour toi, Noisette, pour 1200 V-Bucks, c'est toujours un pack rare. Donc, avec les Alpinogriffes qui sont titres collecte rares pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Dominatrice, ça fait partie de l'ensemble Techno Tempête, saison 1, chapitre 1, toujours une longueur d'avance. Tout ça pour 800 V-Bucks, c'est une tenue atypique. Mariana, donc c'est une tenue, un pack épique. Elle illumine les faux, ça fait partie de l'ensemble Lumière Marine, saison 3, chapitre 2, qui fait son grand retour. Elle est réactif, tenue réactif, réagit aux illuminations et au butin. Avec son vampire, Roméduse, qui sont accessoires de dos, résister à l'envie de toucher au tentacule, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le Fluscaré, c'est un petit revêtement d'armes, fait partie de l'ensemble Fantôme et Ombre, saison 2, chapitre 2, il est animé pour 500 V-Bucks. Les Ananas Assassines, c'est un outil de collecte, ça risque rien de piquer un peu, ça risque de piquer un peu, fait partie de l'ensemble Bandit Ananas, saison 2, chapitre 2 pour 500 V-Bucks, c'est un truc atypique. Et une petite emote rare, infectée, c'est trop tard, saison X, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Concentré à fond, c'est une mimoque atypique, ne laissez pas le combat vous distraire, saison 1, chapitre 2, et mobile pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête de gain de niveau avec la capitaine Hypatie. Alors, obtenez la tenue du capitaine Hypatie à l'achat et accomplissez les quêtes hebdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant des jetons de gain de niveau dissimulés sur la carte chapitre 4 avant la fin de la saison 2. Chaque semaine, 7 nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 9 juin. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller. Chaque quête, un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos Kartox 13, 3, pardon. Semaine 2, le revêtement soleil écarlate à partir du 9 mai, donc à partir d'hier, donc c'était bon, à partir d'hier à 3h. Semaine 3, la pioche coupeuse cométaire à partir du 16 mai à 15h, ce sera la semaine prochaine ça. Semaine 4, le style armure pour la tenue capitaine Hypatie à partir du 23 mai à 15h. Voilà, donc accomplissez toutes les quêtes, 28 heures au total pour déverrouiller toutes les récompenses cosmiques et gagner autant de niveaux donc qu'il y a de quêtes. Ensuite, vous êtes sur le pack, donc on rentre dans la série Star Wars, donc avec le pack Anakin Skywalker avec son holocron des Jedi qui sont accessoires de dos. Le Super Soldier, c'est son outil de collecte. L'Intercepteur Jedi d'Anakin, c'est son petit planeur. La classe Actis, c'est son vêtement d'armes. Et Intercepteur Subluminique, c'est son émoticône, tout ça pour 3100 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Pamé Amidala avec Pamé Amidala et son éclat de Japor qui sont accessoires de dos. Le bâton royal de Naboo, c'est son outil de collecte. Le yacht de Naboo, c'est son petit planeur. Tout ça pour 2100 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack soldat de 112e bataillon et de la 501e légion clone. Donc voilà, avec le soldat de la 501e légion et le soldat de la 212e bataillon. Donc, c'est partie de l'ensemble prélogie. Donc, tout ça pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez les packs de revêtement des soldats clones avec 501e Légion, Bataillon Wolfpack, Garde d'Ahsoka et 212e Bataillon d'Attaque, tout ça pour 400 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Anakin Skywalker et son holocron des Jedi pour 1500 V-Bucks. Son Super Soudeur, son outil de collette pour 500 V-Bucks. L'Intercepteur de Jedi d'Anakin, c'est son petit planeur pour 1800 V-Bucks. Le Classicatis, c'est son revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Pamé Amidala et son éclat de Japor pour 1500 V-Bucks. Le bâton royal de Naboo pardon, pour 500 V-Bucks. Le yacht de Naboo avec les petits planeurs pour 800 V-Bucks. Un pack et hors pack. Ensuite, vous avez Kylo Ren et sa cape de Kylo pour 1500 V-Bucks. La Vibro-Lame, c'est son outil de collette pour 800 V-Bucks. Le côté obscur, c'est sa petite emote pour 200 V-Bucks. Le pack d'ascension de Skywalker avec Finn et la résistance, c'est un accessoire de dos. Soldat Sith et son fusil blaster de Soldat Sith. Rey et son ordre Jedi, tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack ordre épais, donc c'est trois outils de collecte. Donc avec la Vibro-Lame, le bâton anti-émeute et le bâton de Rey pour 1200 V-Bucks. Le petit pack chasseur stellaire, donc avec le chasseur Tilly du premier ordre et le Y-Wing pour 1800 V-Bucks. Voilà.
Ensuite, vous avez Orpak, Soldat Sith et son fusil blaster de Soldat Sith pour 1500 e-buck. Rey et son ordre Jedi pour 1500 e-buck. Le bâton de Rey pour 800 e-buck. Finn et le symbole de la résistance qui sont accessoires de dos pour 1500 e-buck. Le bâton anti-meute pour 1200 e-buck. Le pouce levé de la résistance, c'est notre petit emote pour 200 e-buck. Traître, c'est notre emote pour 300 e-buck. Le Soldat Sith et son fusil blaster de Soldat Sith pour 1500 e-buck. Rey et son ordre Jedi donc pour 500 e-buck. Donc on a déjà vu ça, excusez-moi. Donc ensuite vous avez le Stormtrooper impérial, donc qui fait partie de l'ensemble de notre trilogie originale, saison 2, saison 1, chapitre 2 pour 1500 e-buck. Zora Bliss, c'est la petite chasseuse de primes pour 1500 e-buck également. Fait partie de l'ensemble de nouvelle trilogie. Donc ensuite vous avez le chasseur T du premier ordre pour 1200 e-buck. Le Y-Wing, qui est le petit planeur pour 1200 e-buck également. Le X-Wing de l'escadron Avant-Garde pour 1200 e-buck. Ensuite, vous avez le pack Boba Fett avec Boba Fett et son jetpack Z6 qui sont accessoires de dos. Le bâton de Gaffi, c'est son outil de collecte. Le vaisseau de Boba Fett, c'est son petit planeur. Ensuite, vous avez l'ordinateur de visée enclenché, donc un petit emote intégré, tout ça pour 2300 e-buck. Ensuite, hors pack, vous avez Boba Fett et son jetpack Z6 avec son ordinateur de visée enclenché pour 1500 e-buck. Le vaisseau de Boba Fett qui est son petit planeur pour 1200 e-buck. Le bâton de Gaffi qui est son outil de collecte pour 800 e-buck également. Ensuite, vous avez le pack chasseur de primes avec Fennec Stand et son blason des mythosaures, Krasten et son symbole du clan Hutt, le vaisseau de Fennec, c'est le petit planeur, et Tella Voix, c'est la petite emote. Tout ça pour 2300 e-bucks. Hors pack, vous avez donc Fennec Stand et son blason des mythosaures pour 1500 e-bucks. Krasten avec son symbole du clan Hutt pour 1500 e-bucks également. Le vaisseau de Fennec, qui est le petit planeur pour 800 e-bucks. Tella Voix pour 200 e-bucks et la petite emote. Ensuite, vous avez toujours le pack, vous avez le retour du pack d'Obi-Wan Kenobi avec Obi-Wan Kenobi et son nécessaire du désert qui sont son accessoire de dos. La lame d'Obi-Wan, c'est son outil de collecte. L'intercepteur Jedi, c'est son petit planeur. Le message d'Obi-Wan, c'est la petite emote. Et l'Obi-Wan encerclé, c'est l'écran de chargement, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Obi-Wan, son nécessaire du désert et la lame d'Obi-Wan pour 1600 e-buck. L'interception Jedi qui est petit planeur pour 1200 e-buck. Le message Obi-Wan pour 200 e-buck. Ensuite, vous avez le pack Luke Skywalker avec son lance-speeder X-34 qui est son petit planeur. Le mini Spider-Back, c'est sa petite emote. Le fusil lance-lim, c'est son outil de collecte avec Luke Skywalker et sa sphère d'entraînement, tout ça pour 2200 e-buck. Ensuite, vous avez le pack Han Solo et Leia Organa. Avec Leia Organa et son R2D2 qui sont accessoires de dos. Le bâton statique, c'est son outil de collecte. Le bâton en vibration, c'est un autre outil de collecte. Et avec Yann Solo et son Faucon Millennium, tout ça pour 2500 e-bucks. Hors pack, vous avez Luke Skywalker et son affaire d'entraînement pour 1500 e-bucks. Le lance speeder X-34 qui est son petit planeur pour 1200 e-bucks. Le fusil lance lim pour 500 e-bucks, c'est son outil de collecte. Le mini Spider-Back petit emote pour 500 e-bucks. Ensuite, vous avez Yann Solo et son Faucon Millennium pour 1500 e-buck. Leia Organa et son accessoire de dos R2D2 pour 1500 e-buck également. Le bâton statique pour 500 e-buck. Le bâton en vibration pour 500 e-buck, donc les deux outils de collecte. Ensuite, vous avez toujours le pack des quêtes de transmission étranges pour 12 euros avec Isaac Clarke et son ring qui sont accessoires de dos. L'USG Ishimura, c'est un deuxième accessoire de dos. Le cutter plasma, c'est son outil de collecte, donc c'est un pack légende du gaming. Donc, avec sa amélioration sur plan, c'est sa petite emote. Et vous avez des cas supplémentaires pour gagner jusqu'à 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes qui sont fournies avec le pack. Ensuite, vous avez sur le pack le chevalier du coin à restauration pour 2600 V-Bucks. C'est un pack épique, donc avec Serverger et son tranche tech qui sont accessoires de dos. La spatule d'Argerienne, c'est son outil de collecte. Ziara le cruel avec sa cape de Ziara et les trancheuses de Ziara. Pico la Vaillante avec son randage assaisonné et sa sachage piquante qui sont dites collecte. Le menu combo, c'est écran de chargement. Ensuite, vous avez toujours le pack Royaume d'Écoy pour 15 euros, donc avec encore un pack épique avec Égérie à son décoy, avec son contre-courant qui est son accessoire de dos. Les bâtons choquants, c'est son dites collecte. Zéro bagarreur d'Écoy avec son vide abyssal qui est son accessoire de dos et la trancheuse d'écailles qui sont une petite collecte. Shiguza, agent d'écoille avec son lapino chanceux et ses écailles punitives. Le col chanceux, c'est le revêtement d'armes. Et l'écoille à l'attaque, c'est le petit écran de chargement, tout ça donc pour 15 euros. Ensuite, vous avez toujours le pack Ned l'Éternel pour 16 euros avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller ce pack. Pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue Ned le bouclier, l'accessoire de dos Kevin de la base et la pioche détecteur de kit médical. Voilà. Et sinon, vous êtes sur possibilité de souscrire au club Fortnite. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club.
des objets cosmiques. Dans une nouvelle étape, il est verrouillé chaque mois tant que votre abonnement de Fortnite est actif. Si vous êtes déjà à la place de combat, il vous rembourse 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks à la date de facturation du club. Vous avez aussi le Rocket Pass League, le Rocket de Pass Premium de Rocket League en plus ce mois-ci. Et en cadeau, c'est toujours Dahlia avec son accessoire de dos, son outil de collecte et son petit revêtement d'armes. Donc voilà, tout ça pour 12 euros par mois, les amis, si vous souscrivez au club Fortnite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de liker, les amis. J'ai beaucoup de vues, mais vous regardez juste la vidéo, mais vous mettez pas le petit pouce bleu. Donc j'espère qu'elle vous plaît quand même, la vidéo. Donc si elle vous plaît vraiment, vous mettez le petit pouce bleu, le commentaire brasier pour voir si vous avez regardé entièrement la vidéo, parce que c'est très important. Il suffit pas juste de la regarder, les amis. Il faut la regarder entièrement pour le référencement sur YouTube. De toute façon, hein, je pense que je vous apprends rien, hein, donc n'oubliez pas de le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça fait du bien et ça permet de soutenir un petit peu la chaîne, les amis. Donc n'hésitez pas à le faire. Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Tu mets s'abonner, tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et après, pour le soutien, tu as le petit lien d'affiliation d'Instant Gaming. Et aussi, si la chaîne te plaît vraiment, que tu veux participer à son évolution, tu peux aussi souscrire pour moins d'un euro par mois. Donc c'est pas terrible, les amis, mais moi ça me fait énormément plaisir et ça aide vraiment la chaîne, hein, les amis. Même un euro, ça suffit à vraiment pouvoir développer la chaîne, je veux dire, et grâce à vous que ça existe. Donc je vous remercie pour les 2062 abonnés, les amis, vous êtes au top. Donc je vois que ça s'abonne, donc n'hésitez pas à venir mettre des commentaires, à venir me parler. Je ne mords pas, à venir me parler même en live, les amis, ne vous inquiétez pas. Ça me ferait juste extrêmement plaisir de voir qu'il y a du monde qui me suit. Donc les amis, n'hésitez pas à le faire. Et pour terminer, vous avez le code brasier, vous le savez, en majuscule, en minuscule, dans la boutique de Fortnite, on s'en fout, mettez accepté et ça marche. Et franchement, ça me permet de faire de meilleurs contenus et de vous proposer plus de choses sur la chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye. Et à ce soir, n'oubliez pas ce soir le Let's Play The Division. Je compte sur vous. Bye bye.